que les femmes étaient violées en masse, que des hommes étaient coupés à la machette. Quand j'ai lu ça, c'est qu'en France, personne ne voit rien. Rien. Professeur Tazi, remarquable à tous égards, pour illustrer pourquoi un petit éditeur indépendant à Paris a décidé de soutenir le travail remarquable de Charles. Contrairement à ce que j'ai lu, il y avait marqué « Tout le monde voit les massacres à l'est du Congo ». Alors je peux vous dire une chose, c'est qu'en France, personne ne voit rien. Rien. Rien du tout. Pas un mot en France sur les horreurs que vos frères et sœurs de l'Est vivent. Alors quand j'ai lu que des citoyens congolais étaient enterrés vivants, que des femmes étaient violées en masse, que des hommes étaient coupés à la machette, quand j'ai lu ça, je me suis dit, moi, petit éditeur français, il faut faire connaître un petit peu ce drame en France. C'est la raison pour laquelle je publie les travaux de Charles Onana. Maintenant, je suis ravi. La meilleure chose qui arrive, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je remercie Monsieur le Recteur pour cette invitation. Je suis ravi que Charles puisse enfin, devant vous, Congolais, Congolaises, délivrer les résultats de ses recherches 30 ans